Faites le plein, attachez vos ceintures, gonflez vos pneus et sifflez perte. Pousse-pousse sur le zoo, pousse-pousse sur le zoo, pousse-pousse sur le zoo, pousse-pousse sur le zoo. Bonjour Monsieur Baldini, c'est aujourd'hui l'inauguration du zoo de Tacouville. Je sais, Pousse-pousse, c'est ton grand jour. Vous pourriez, toi et Pips, aller faire une livraison avant l'ouverture. Bien sûr. Et voilà. Et n'oublie pas de les donner à Sam, le nouveau directeur du zoo. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours compter sur moi. Bonne chance, Pousse-pousse. Bonjour à tous, c'est Anna Cruz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un jeu Pousse-pousse. Pousse-pousse sauve le zoo. Alors, comme à notre habitude, on va cliquer un peu sur le paysage pour voir les surprises qui s'y cachent. Ah ouais, ça déchire. Et là, Marine Malice. On retrouve les petites pommes. Hey, c'est une pancarte du zoo de Tacouville. Ça ne doit plus être très loin. Petite grenouille. Un castor. Des petits écureuils. Allons vers le zoo. Ça a l'air génial! Une petite chanson. Nous les azous, frappa dingo, on vous attend tous illico au paradis des animaux. N'ayez pas peur, ils sont réglo. Jamais de crocs dans mon gigot. Tant qu'on a le giga tempo. Bienvenue au zoo. Oh oh. Chez les kangourous, ou, ou, et les tigres aussi. I, i, i. Bienvenue au zoo, zoo, zoo. Posez fenêtre dans vos sautos. Entrez, voyez nos zigotos. Mes garouillas qu'ils sont mortaux. Tata galéon du Congo. Des super gadgets à gogo. Tout pour les méga chiboulots. Bienvenue au zoo. Appliquez vos hulots et voyez nos cocos. Chez les kangourous, l'éléphant et le singe, chimpanzé, ballot. Les tigres, canaris et carillons. Et tous les bateaux. Bienvenue au zoo. Les guépards, les sauterelles, les gorilles, les crocos. Les meux et le lama, cousin du dromadaire, amigo du chameau, tortue, molo, molo, dauphin, marmin, coco. Les buts, les souris, les joies. Bienvenue au zoo, zoo, zoo. Nous les azoufres à pas dingo, on vous attend tous illico. Il me manque encore quelques mots. Un dernier refrain rigolo, une idée pas trop mégalo. Puis d'où la chanson tombe à l'eau. Marine Malice. Bienvenue au zoo, oh oh. Chez les kangourous, ou ou. Et les tigres aussi, i i. Bienvenue au zoo, zoo, zoo. Et voilà, c'était la petite chanson. Il est écrit Zoo de Tacouville. Aujourd'hui a lieu l'inauguration du zoo de Tacouville. D'après Sam l'Australien, il y aura des lions, des phoques, des girafes et même un bébé hippopotame. Alors, astiquez vos châssis et rendez-vous là-bas cet après-midi. Cher. Allô, Sam l'Australien? C'est moi, Pousse-pousse. Je suis venu livrer de la nourriture pour les animaux. Merci d'être venu, Pousse-pousse. Entre. En avant tous. On va bien s'amuser. Allez. Salut, Sam l'Australien. Je viens livrer la nourriture pour les animaux. Merci, mon petit gars. Tu sais, je suis content que tu sois venu. On a eu une matinée complètement dingue. En plus, avec l'ouverture du zoo, on a encore du pain sur la planche.
les ponts, les bateaux, les travaux. Mais le plus grave, c'est que certains bébés animaux ont disparu. Je les trouve nulle part. Hé! Hey, je peux chercher les bébés animaux pendant que vous vous occupez des derniers préparatifs. Ok, à toi de jouer. On ne peut pas ouvrir le zoo avant de les avoir tous retrouvés. Ah ben oui. Alors je compte sur toi, Pousse-Pousse. Tiens, ça devrait t'aider. Voilà la liste des animaux disparus. Badaboum l'éléphant, Mataï la girafe, Kenya la jeune lionne, Zanzibar l'hippopotame, Galipette la petite phoque et Diabolo le serpent. Je vais vous aider à les retrouver. Bonne journée et bonne chance, Pousse-Pousse. Je cours faire les derniers préparatifs. C'est pas très sérieux ça d'avoir perdu les bébés. Franchement. Alors déjà, si on allait voir le plan du zoo. C'est la garde du zoo de Tacoville. Vous êtes ici. Voilà, donc si on va à gauche, on va vers le royaume des glaces. À droite, vers le royaume de la jungle. Au fond à gauche, au fond même, royaume des prairies. Voilà. Avec ça, on sait où se diriger. Alors là, c'est un stand, ils doivent vendre du pop-corn. Le kiosque à gourmandise. Salut, Jules Parasol. Je voudrais un chocolat chaud, s'il vous plaît. Bonne idée, Pousse-Pousse. J'y vais tout de suite. C'est gratuit. Et voilà, c'est ma journée. Youpi. Merci. Ouh, c'est brûlant. Je crois que je vais le garder pour plus tard. Oh, bonne idée, bonne idée. Je voudrais de la bain, papa, s'il vous plaît. Ah oui, oui, oui. On va tout prendre. Merci. Waouh, il a tout mangé comme ça. Et là? Je voudrais des beignets, s'il vous plaît. Bonne idée. Et voilà. Et tout est gratuit. Maison, c'est génial. Voilà. Oula. D'accord. Alors là, grande statue. Ces petits poissons avec la musique, c'est top. J'adore les musiques dans ces univers. Alors là, il y a plein de jouets, roulotte à surprise. Oh, le petit nounours qui s'envole. Petite girafe. Et ça, c'est le roi lion, non? Et là, appareil photo gratuit, je vois. Oh, on va le prendre alors. Mais voilà, Pousse-Pousse. Ça va être une sacrée journée. J'ai hâte que le zoo ouvre ses portes. Je vais pouvoir prendre plein de super cadeaux. Salière gorille, poivrier babouin. Gadget souvenir pour embellir vos voitures. Et même des appareils photo gratuits. Super, les appareils photo de Léa. Prends-le, Pousse-Pousse. Oui. Chaque client a droit à un appareil photo gratuit. Après tout, c'est l'inauguration aujourd'hui. Merci, Léa. Génial. Déjà, on part à l'aventure avec plein de choses dans les poches. On va pouvoir attirer des bébés grâce au chocolat chaud, peut-être, ou au beignet. Alors, royaume des glaces, royaume des prairies, royaume de la jungle. Allez, allons au royaume des glaces. C'est la fête ici. Hey, il y a une corde là-dedans. Ah mais prenons-la. Ça peut toujours servir. Carrément. Je crois que je vais l'emprunter. Et si on va où? Il rêve d'un homard. Oh, excuse-nous. Il fait bien froid au royaume des glaces. Ah, il va vouloir un chocolat chaud, je Garde le sens. Toute cette neige là-haut, ça a l'air dangereux. On ferait bien de ne pas faire de bruit, Peppy. On va provoquer. C'est dangereux pour les visiteurs, oui. Oh, on oh, j'ai eu peur. Belle. Oh,
Wow. Oh mon Dieu, cette avalanche a bien failli nous ensevelir. Maintenant, on fait comment pour s'en sortir? Eh ben, on commence à balayer. Tu n'arrives pas à conduire dans la neige. C'est trop profond. Oh, oh là. Tu n'arrives pas à conduire dans la neige. C'est une corde. Oui, merci. C'est une corde. Ah, mais je voulais utiliser la corde, Pousse-Pousse. Bon, eh bien, nous allons aller au royaume des prairies. Ah, une bûche. Gêne. On la prend carrément. Voilà, comme ça. On se croirait chez le roi lion, là. Point de vue. Et si on prenait une photo du point de vue? Moi, j'ai bien envie. Wow. Ici, on voit tout le royaume des prairies. C'est magnifique. Celle-là, t'as réussi. Ouais. Pas mal, non? Je pense que le point de vue est vraiment adapté. On va prendre une photo ici aussi. Allez, on fait le petit touriste. Je devrais garder ma pellicule pour prendre les animaux du zoo en photo. Je devrais garder ma pellicule pour prendre les animaux du zoo en photo. Ben, prends en photo le pan. Celle-là sera réussie. Voilà quoi. On peut prendre plein de photos. Oh, Madame éléphant qui a perdu bébé éléphant. Badabou. On se croirait dans Dumbo maintenant. Excusez-moi, c'est vous la maman de Badabou? Oui, mon chéri. Il me manque tellement que j'ai le cœur brisé. C'est toi qui es chargée de retrouver les bébés animaux? C'est bien moi. Oh, merveilleux. J'ai le pressentiment que tu vas retrouver mon Badabou. Moi aussi, ma maman Mbata. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, Pousse Pousse. Oh. Génial. On va tout savoir à propos des éléphants. À l'état sauvage, les éléphants d'Afrique vivent sur le continent africain. Oh, c'est trop triste, ces grosses larmes qui coulent dans l'eau comme de grosses gouttes de pluie. Hé, hey, tu dois être Galipette, la petite fille phoque. Que s'est-il passé? Je m'amusais comme une folle à faire des ploufs et des plaves. Et tout à coup, le barrage s'est fermé. Maintenant, je suis coincée. Je peux peut-être t'aider? Oh mon Dieu! Je parie que si on arrive à ouvrir le barrage, tu pourras rentrer à la nage. Sans problème. Je suis une super extra top nageuse extraordinaire. Oh la pauvre, elle est dans une toute petite flaque. Je dois trouver un moyen d'ouvrir le barrage. Et avec ça, on peut pas? Je pense pas pouvoir ouvrir la porte avec ça. Et avec ça? Je pense pas pouvoir ouvrir la porte avec ça. Bon, t'as qu'à dire que je suis idiote. Vas-y, dis-le, hein. J'espère que tu vas vite réussir à ouvrir le barrage. Oui, moi aussi. Allez. On va trouver une solution. La tour de Pise. Oh, la statue de la liberté. Un totem indien. Il roule ou il saute, ce petit pousse-pousse? Allez, zou. Ah, une girafe. Jusqu'ici, ma soeur a toujours été auprès de moi. J'espère qu'elle va bien. Excusez-moi, madame girafe. Vous cherchez ma taille? Oui. Je peux peut-être la chercher pour vous? Oh, rien ne pourrait me faire plus plaisir. Moi aussi, madame girafe. Quand tu la trouveras, dis-lui que ça m'a hâte de la revoir. On va apprendre un tas de choses sur les girafes. À l'état sauvage, les girafes vivent sur le continent africain. Waouh! Ça, c'est de l'info. Des lions partout, des lions. Kenya, où es-tu, Kenya? C'est ici qu'habite Kenya, la jeune lionne. Oui, mais on ne la trouve nulle part. Elle a disparu depuis le lever du soleil. Léo et moi, nous sommes morts de chagrin. Je peux peut-être la chercher pour vous? J'espère que tu la retrouveras vite. Notre petite fille nous manque tellement. Dès que je l'aurai trouvée, je vous l'envoie. Oh, merci. Le lion, il s'appelle Léo. Je suis sûre que la lionne s'appelle Léa. Génial! On va maintenant apprendre plein de choses sur les lions. À l'état sauvage, la plupart des lions vivent sur le continent africain. Mais non, mais arrêtez de dire des choses comme ça. Même si on les appelle parfois les rois de la jungle,
Les lions vivent dans les prairies. Bon, d'accord. Petit documentaire Arte. Reste là-bas, affreuse souris. Oh, c'est la voix de Marine Malice, ça. Salut, Badaboum. Aide-moi. Aide-moi. Je suis attaquée par une souris géante. Une énorme souris. Elle m'a sauté dessus et j'ai vraiment très peur. Tu peux me tirer de là? Je t'en prie. Je vais essayer. Ne reste pas là. Minou, Minou, Minou. Va-t'en. Minou, Minou. Non, je partirai pas, moi j'aime bien. Bon, je crois qu'il faut trouver un autre moyen de la faire partir. Alors, cours plus vite que l'éclair. Et le chien, Peps. Je crois que la souris n'a pas peur de Peps. C'est vrai, elle veut peut-être des beignets. Va chercher, petite souris. Oh, pardon, je veux dire énorme souris effrayante. Oula. Et voilà. Maintenant, c'est une énorme souris. Oh, merci, Pousse-Pousse. Tu es un véritable héros. Tu vois, Badaboum, c'était rien. Maintenant, tu ferais bien de te dépêcher de rentrer chez toi. Maman. 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 Badaboum est de retour. Pom, 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 pom. Il me reste 5 animaux à sauver avant que le zoo puisse ouvrir ses portes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce trou là? Alors, cabane à couleur. Oh, on va pouvoir changer de couleur. Je suis déjà violet. Ah, excuse-moi. Alors, on choisit quelle couleur? Orange. Orange. Parfait. Oula, qu'est-ce qu'il fait au petit Peps? Ça me va super bien. C'est drôle de se faire peindre. Et le bleu? Oh, bleu océan. Ouais, pas mal. Celle-là me chatouille un peu. Et vert maintenant. Génial. On va toutes les faire. Vert alligator. C'était génial. Et jaune? Jaune soleil. Waouh, quel poète. De se faire peindre. Et rouge. Oh là là, rouge bolide. Ouais. Celle-là me chatouille un peu. Allez, moi je remets la couleur violette de Pousse-Pousse. Violet, c'est ma couleur préférée. Pousse-Pousse, nous on l'aime bien en violet. Voilà, c'est comme ça qu'on connaît Pousse Pousse. Là, me chatouille un peu. Il y a un miroir. Ça me va super bien. Une pelle. La pelle pourrait être utile. Carrément. Je crois que je vais l'emprunter. Et là, cet oiseau, là. C'est tout ce que ça te fait que je change de couleur? Oh, j'ai une idée. Ah, c'était l'idée du siècle. Et y a-t-il autre chose à faire avec la noisette une fois qu'elle est éjectée? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut l'intercepter. C'est quoi ça? On doit d'abord choisir une couleur. D'accord. Je regarde hein, s'il y a. Ok. Je crois pas qu'il y ait quelque chose à faire. Des zèbres là-bas.
Oh, j'ai une idée. Je vais retourner au royaume des glaces et je vais renverser le chocolat chaud sur la glace. C'est pas très logique, mais si ça se trouve, ça ouvrira un chemin. Le chocolat chaud peut faire fondre la glace, mais je ne crois pas en avoir assez pour dégager la route. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Bon. Et comme on est dans un jeu pour enfants, ça aurait pu le faire peut-être. Un alligator. Ça va pas l'être, tu vas voir. Ah, c'était si. Amusant. J'aurais cru qu'il nous aurait fallu la corde. Allez, Corinne. Ah, une petite chanson. Moustique, les gars. Facile, super facile. Ah, facile, j'en connais un. Je connais un moustique, c'est un drôle de loustique. Mais le hic, aïe, 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 c'est qu'il pique. Que savez-vous des coccinelles? Ah, j'en ai vu une fois. Ben alors vas-y. Une demoiselle coccinelle qui voulait se faire la belle. Elle est tombée dans une poubelle et elle a coulé une bielle. Coccinelle. Qui se rappelle de la Saint-Sylvestre? Oh, bien sûr, je m'en rappelle. Moi! Bon, bah vas-y. Pour la Saint-Sylvestre, ils ont monté un orchestre équestre. C'était gigantesque. Wow. Saint-Sylvestre. Qui joue de la guitare? Moi, mais pas très bien. Allez, ne sois pas modeste. D'accord. Avec ma guitare, je joue et c'est bizarre comme... Allez, un effort. Comme une vraie superstar. Le guitare. Allez, un petit tour à la pêche. La pêche, c'est pour moi. Je me dépêche de partir à la pêche avant que cette vieille revêche ne m'en empêche. La pêche. Ok. Regarde, une boîte à outils. Super. Je ne crois pas que Sam l'Australien m'en voudra si je les lui emprunte. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Oui. Ah, un serpent. Où est mon bébé? Où es-tu? Bonjour, vous devez être Madame Boa. Je suis Pousse-Pousse et je recherche des bébés animaux disparus. Oh, petit Pousse, tu as retrouvé mon petit diabolo. Il me manque tellement que j'en pleure. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais j'ouvre l'œil. Ah. Merci. Tu es une brave petite voiture et tu as vraiment bon cœur, crois-moi. Merci, Madame Boa. Maintenant, on va tout savoir sur les boas constricteurs. Les boas constricteurs vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Merci pour cette information. Ah, ça, je me souviens. Comment faire pour atteindre la rivière? Et si vous vous en souvenez aussi, c'est soit que vous avez joué au jeu, soit que vous aviez les démos. Et dans la démo, on avait ce passage. Et voilà, le radeau est réparé. Maintenant, Peps et moi pouvons naviguer en toute sécurité sur la rivière. Vas-y, saute. En avant. Nage. Un hippopotame. Ah. On va tout savoir sur les hippopotames. On ne trouve des hippopotames à l'état sauvage que sur le continent africain. Hé, hey, petit gaillard. Excusez-moi, c'est ici qu'habite Zanzibar? Ouais, c'est ça, mais il n'est pas là. Il allait finir par se dire. Je peux peut-être retrouver Zanzibar? Si tu réussis, je devrais être fier fort d'elle. Le petit fil me manque. Je ferai mon possible. Mille tonnes de merci pour tout ça. Je compte sur toi. Oui, allez, allons vers là-bas. Oh, regardez, il y a un lion là-bas. Coucou, en bas. Qu'est-ce qu'il a fait là-haut? C'est toi, Kenya, la petite lionne? C'est bien moi. Tu peux m'aider à descendre? Je suis coincée sur cette escalade.
Tu peux sauter, hein? Oh, pas dans l'eau. Je ne sais pas nager. Alors il va falloir inventer autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait là si elle ne sait pas nager? Je ne peux pas savoir comme ça me ferait plaisir. Bon, une corde? Comment? Je ne crois pas pouvoir lancer la corde jusqu'à Kenya. Et ce... Je pourrais peut-être la lancer d'en haut. Oui, bonne idée. En haut de la chute d'eau. Et ce paresseux là, il a pas une idée? Et y a pas quelqu'un pour lui lancer une cacahuète? Oh, il fait dodo maintenant dans une position. J'en ai marre. Je veux rentrer à la maison. Ah, on dirait moi, ce petit paresseux. Alors là, il y a des pélicans. Super Black, tu veux l'entendre? Et faire action, oui. Comment fait-on pour mettre 4 éléphants dans une 2 chevaux? Je ne sais pas. Ben, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Comme c'est sombre par ici. Ah, une girafe. C'est toi, ma faille? Oui, c'est moi. Ma grande, ta maman est drôlement inquiète. Ma maman me manque. Je me suis retrouvée coincée ici et j'ai pas trouvé de moyen pour abaisser le pont. Il y a un énorme rocher au travers et je ne peux pas le pousser toute seule. Ah, il faut l'hippopo. Seulement ce vieux pont-levis pouvait s'abaisser. Bon, je peux peut-être t'aider. Si tu réussis, je serai la plus heureuse des petites girafes. Oh. Ma maman me manque. Allons vers la vue panoramique. On pourrait prendre une photo de là-haut. C'est une bonne idée, ça. Le zèbre. Et alors? Ok. Ça fera peut-être l'affaire. T'as intérêt, Pousse-Pousse. Faut sauver Kenya, là. Oui. Tu as réussi! Bien sûr! Merci de m'avoir sauvé la vie. Comment tu t'appelles déjà? Pousse-Pousse! Merci Pousse-Pousse! Y'a pas de quoi! Salut Kenya! 4 autres animaux ont encore besoin de mon aide! Et là c'était la fin de la démo! Me semble. J'en étais trop triste de pas pouvoir faire la suite du jeu! Est-ce que l'hippopo il pourrait bouger? Là dans le boudre. Pour le rocher. Hey, petit pote. Salut monsieur Hippo. Aucune trace de Zanzibar? Je suis désolée, pas encore. Mais où qu'il se trouve, je sens qu'il va bien. Oula. Quoi? Oula. Ah, on aurait pu aller à... Bon, la prochaine fois. Youpi! Ah ah! Bon, maintenant on va le refaire, mais en passant par l'autre petit chemin. Quoi? Hop, par ici. À gauche. Bon, la prochaine fois on ira à droite. C'est dangereux ici. Ah bon. On va passer par l'autre chemin alors. Hop là. Là. Ah, à gauche ou à droite? C'est le moment le plus drôle de la journée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est une pause? C'est quoi? Y'a rien là.
ballon là. Waouh. Ah, j'ai dû rater un truc. Est-ce qu'on peut bouger le rocher à l'aide de la pelle? Je ne pense pas pouvoir faire basculer le gros bloc de pierre avec ça. Et avec ta tête. D'accord, ma taille. Je t'en prête. Ça y est. Et voilà. Allez, pousse. Oh, oh. Allez, poussez, là. Je me suis jamais autant amusée. Maintenant, il suffit de baisser le pont-levis. Ouais. Impossible d'atteindre la manivelle d'ici. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais trouver un moyen de la baisser. Et tu pourras rentrer chez toi. Avec une corde? Je ne crois pas que ça m'aidera à actionner la manivelle. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à outils, d'ailleurs? Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde toutes ces clés à molette. D'accord, ok. Alors... Allez, allons à droite puisque nous n'y sommes pas encore. Allez. Ah, et ben voilà. M'avoir aidé. Maintenant, je vais retrouver ma maman. Je suis contente que ce soit arrangé, ma Sai. Fais attention en rentrant chez toi. D'accord. J'espère sauver encore 3 animaux. Oui. Bon, alors... Puisque est-ce qu'il pourrait nous aider à enlever la neige? Bonne journée, Pousse-Pousse. D'autres animaux sauvés? Bien sûr, j'en ai retrouvé 3. Oh, quel soulagement! Qui as-tu sauvé? Badaboum l'éléphant, Kenya la jeune lionne et Maasai la girafe. Sans sas, mon petit gars. Continue comme ça. Merci, d'accord. Ok, on ne peut pas avoir de l'aide. Est-ce qu'on peut... Oh, il y avait quelque chose à aller voir là. Ah non, c'est l'entrée du zoo. Est-ce qu'on peut avoir d'autres chocolats? Finalement, je n'ai plus très envie de chocolat chaud. Il m'en reste encore. Oui, t'en reste encore, mais pas suffisamment. Oh, ben avec la pelle. Ben oui, on va enlever la neige avec la pelle. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Moi, j'allais déverser des litres et des litres de chocolat chaud. Allez, pousse-pousse. Génial! Maintenant, je peux recommencer à rouler. Oui! Oh, bébé serpent! Il est pas dans le meilleur des mondes. Je vole. Et ma maman me manque. On peut lui donner un chocolat chaud? Et voilà! Un chocolat chaud! C'est au bien. Revoir. Au revoir. Salut, Diabolo. Et voilà. Il nous reste 2 animaux à sauver avant que le zoo puisse ouvrir ses portes. Alors, est-ce qu'on peut aller par là? Ah oui. Sur la glace. Ah, un mini-jeu. Vas-y, je suis prête là.
Bienvenue à tous les filles du sport dans le grand stade du Royaume des Glaces. Aujourd'hui, un match passionnant opposera notre roi local du hockey, Maurice Lourdes des Glaces, à un nouveau challenger, Pousse-Pousse. Le premier qui arrive à 5 a gagné la partie. Cliquez sur le bouton gauche de la souris pour envoyer le palais. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour attraper le palais. Puis relâchez pour envoyer le palais. Allez, on y va. C'est parti. Ouais. Hop là. Bouh. Ouais. Pourquoi c'est toujours l'ours qui le reçoit, hein? Ah, là c'était raté. Ah bah là aussi. Ça va durer 10 ans. Oh Jean. Ouais. Trop facile. Ouais. C'est fini, le challenger Pousse-Pousse a gagné la partie. Ah, celle-là, on est pas. On gagne quoi? On fait une autre partie? Ah ben non. Ce sera tout pour cette fois-ci, cher mordu de sport. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Oh, c'était rigolo. Ah, une radio. Pendant ce temps, il y a le bébé hippopotame qui nous regarde là-bas en train de mourir de froid. Même Peps, il est à fond. Même moi, je suis à fond. J'aime pas la musique. Alors, bonjour, bonjour. Vous êtes le papa et la maman de Galipette, le bébé phoque? C'est bien nous. Je suis la mère Floque. Et voici Plouf, mon mari. Par mes moustaches, as-tu retrouvé notre fille chérie? Bien sûr. Elle est bloquée de l'autre côté du barrage. Mais je trouverai un moyen de l'aider. J'espère que tu trouveras vie. Notre bébé Galipette nous manque. J'en mettrai mes palmes à couper. Oula. Il est écrit toboggan. Toboggan. Oula! Ah ouais, d'accord. Oh mon bébé, mon bébé, mon bébé. Ah mais on est reparti là. Oh Galipette, ma petite Galipette. Pendant ce temps, les parents ils s'inquiètent et tout, mais Pousse-Pousse, il a pas de cœur, franchement. Et par là. Bon, eh bien, c'était amusant. Là-bas, il y a un petit hippopo. Bonjour, l'hippopo. Oh, je suis bloquée. Excuse-moi, c'est toi, Zanzibar? Oui. Tu m'as tout l'air coincé sur cet iceberg. Oui, et alors? Je vais t'aider à t'en sortir. L'orgueil. Ton papa en sera certainement ravi. Tu pourrais? Vrai de vrai? Bien sûr. Il faut simplement que je trouve une idée. Ah, ça c'est le plus dur, les gars. Allez, les pingouins, là. On s'y met, là. Allez, là. Vous aidez, là. Si j'arrive à déplacer ces icebergs, je pourrais peut-être construire une passerelle jusqu'à la rive.
Ok. Allez-y, là. Ah ouais, d'accord. Ah, sympa, les petits pingouins. Bon, ben, je vais essayer lui, là. Vas-y, là, plus vite, le pingouin, là. Allez. Ah, mais non. Oh, bouh, bouh. Bon, ben, celui-là, alors. Après celui-là. Après celui-là. Après celui-là. Ouais, la foule est en délire. Nya, nya, nya. Vas-y, mon gars. Pousse. Bon, ils sont gentils, ces pingouins. N'aie pas peur. Effrayé? Bah non, même pas peur. Rien de neuf. Mon père sera fier de moi. Oh, bah comme ça, c'est plus rapide. Voilà. Ouh. Une tonne de merci, Pousse-Pousse. Une tonne, lol. Maintenant, je peux rentrer chez mon papa. Il n'y a pas de quoi. Amuse-toi bien. C'est bien parce qu'il est un petit peu fier, mais il est poli. Quoi? Je dois sauver Galipette. Ah oui, Galipette. Allons-y. C'est quoi cette musique qui fait peur? Elle était par là, Galipette. Un peu plus et ça faisait la musique de Jurassic Park. Maman, j'ai plus peur des souris maintenant. Bon, peut-être un petit peu quand même. Ah, ici là, faut la boîte à outils. La ronde, celle-là. Allez, vas-y, pousse-pousse. Ça rentre. Vite à la maison, Galipette, et bonne chance. J'ai sauvé tous les animaux disparus. Je ferais bien d'aller raconter ça à Sam l'Australien. Hé, Sam l'Australien, j'ai sauvé tous les bébés animaux. Magnifique. Pousse-pousse, tu as sauvé le zoo. Je ne sais pas comment te remercier. Suis-moi. Oh, comme elle est fière. Bienvenue à tous nos amis pour la... C'est moi qui coupe le ruban. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui m'est très cher. Sans lequel, nous n'aurions jamais pu ouvrir le zoo. Il a un gros menton. Merci à Pousse-Pousse pour son courage et sa bravoure. Nous lui remettons maintenant la médaille des directeurs juniors du zoo. Ah ouais, c'est encore mieux. Voici une récompense bien méritée. Merci, Sam l'Australien. J'étais contente de rendre service. Et maintenant, Pousse-Pousse, à toi l'honneur de couper le ruban. Ah ouais. Merci, Sam l'Australien. Est-ce que c'est nous qui allons le faire ou Pousse-Pousse? Ah, dommage. Ça aurait été trop bien que le joueur y puisse couper. Profite du zoo, Pousse-Pousse. Ça va être une grande journée. Sûr, Sam l'Australien. En avant toutes. Et voilà, c'était une petite vidéo très sympa de Pousse-Pousse sauf le zoo. Moi, j'avais pas eu l'occasion de le faire étant enfant, j'avais eu que la démo. Et là, j'ai pu le faire, donc je suis très contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez abonnés ou abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu ou un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Anna Cruz.
Tous les azous, papa dingo. On vous attend tous, illico. Au paradis des animaux. N'ayez pas peur, ils sont réglo. Jamais de crocs dans vos gigots. Tant qu'on a le gigatempo. Bienvenue aux zoos. Oh, oh, chez les kangourous. Et les tigres aussi. I, i. Bienvenue aux zoos, zoos, zoos. Où c'est venu dans vos sautos. Entrevoyez nos gigotos. Mes garros, y'a qu'ils sont mortos. Ça t'a gagné l'eau du Congo. Des super gadgets d'un gogo. Tout pour les méga chiboulots. Bienvenue au... Appliquez-vous, hublots, et voyez nos cocos. Les kangous. L'éléphant et le singe, charpenté par l'eau. Les tigres, canaris, les camions, et tous les bateaux. Bienvenue au... Les guépards, les sauterelles, les gonnes, les crocos. Les meux et le lama, cousin du dromadaire, amigo du chameau, tortue, molo, molo, dauphin, marmin, coco. Les bus, les souris.